Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. J'ai avec moi deux vétérans des ministères ACER, le pasteur Isaac Toutoum. Bonjour, bonjour pasteur. Et le pasteur stagiaire Darius Rokambura. Bonjour. Et on a commencé une série intitulée « Les persécutions et les épreuves ». Et pendant que vous écoutez ce titre, ne dites pas « Ouh là 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 là, il va dire des choses qui vont peut-être me faire mal ». Non, on va dire des choses qui vont vous édifier. La dernière fois, pasteur, on a parlé au sujet des persécutions. Nous-mêmes, même lorsqu'on était en train de faire les émissions, on était bénis, on était vraiment bénis. Vraiment, merci encore une fois à l'apôtre pour l'opportunité d'être à cette émission qui met les pendules à l'heure et qui nous parle de doctrine chrétienne. Mais effectivement, aux émissions précédentes, on a vraiment abordé des bonnes choses. Et moi, en particulier, j'ai vraiment été béni. Ah, j'ai été béni et aussi. C'est vraiment pour dire que ce thème est vraiment l'un des thèmes centraux dans la marche chrétienne. Parce que quand je repense à ça, je vois que c'est vraiment un thème qui permet aux chrétiens, c'est vraiment le chemin de la maturité. C'est un thème qui sollicite la sagesse de Dieu dans notre vie, l'intelligence, mais la foi, c'est vraiment un thème extrêmement important. Amen. Merci beaucoup encore, apôtre, pour l'opportunité que tu me donnes. Amen. C'est vrai que le thème des persécutions, même on en parlait de persécutions et des épreuves, c'est un thème qui est très, très large. Mm. Et c'est vraiment important de faire la différence entre les persécutions et les épreuves. Et les épreuves parce que c'est deux choses différentes. Mm. On ne doit pas avoir la même attitude. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui font partie, comme on a dit la semaine dernière, qui font partie des bénédictions. C'est-à-dire que quand le Seigneur les bénédictions ne sont même pas les mêmes, selon qu'il s'agit d'une persécution ou d'une épreuve. Et les graves conséquences ne sont pas aussi les mêmes. Exactement. ouais. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de repousser les persécutions alors que ça fait partie des promesses quelque part que le Seigneur va nous faire en nous disant en fait que, voilà, qu'on aura, que ceux qui vont tout lâcher pour suivre le Seigneur vont avoir des maisons, etc. Avec des persécutions. Voilà. Donc, il met ça quand même dans le cadre des choses qu'on va avoir en retour. Donc, ça fait partie des choses que Dieu veut quelque part pour nous. On en a parlé. Pourquoi? Maintenant, les épreuves, c'est encore autre chose. Maintenant. Voilà, les épreuves, on va définir ça tout à l'heure. Oui, pasteur, par rapport aux persécutions, parce qu'il y a des téléspectateurs qui n'ont pas suivi la série avant. Oui, et puis peut-être pour parler à ceux qui... Normalement, les chrétiens sont des succès. Parfois, on perd dans le succès et puis tout d'un coup, on est surpris des soulèvements, des persécutions qui peuvent surgir. Vraiment dire à ceux qui aspirent au succès et ceux qui veulent voir la pérennité de leur succès, se dire que le succès, comme le pasteur David vient de le dire, que Dieu va nous dire que vous allez être bénis, vous allez avoir des maisons, toutes ces choses-là avec des persécutions, que les persécutions font partie du paquet du succès. Donc, il ne faudrait pas que les gens se disent que tiens, je veux le succès, et puis on est surpris de voir des persécutions sur le chemin de notre destinée. Je pense vraiment s'habituer à ça, quoi. Je pense que c'est vraiment important parce que du coup, on pourrait essayer de repousser, de chasser les persécutions alors qu'ils ont leur nécessité, en fait. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir la bonne attitude par rapport aux persécutions pour être peut-être même un témoignage. Il y en a même par les persécutions qu'ils ont eues qui ont permis à ce que d'autres puissent être sauvés à cause de leur attitude, en fait. Donc, si on a tendance à repousser parce qu'on se dit « ça fait mal, c'est dur, donc c'est le diable, donc je suis attaqué », c'est pas forcément le cas à chaque fois. Et même, l'apôtre, je pense que beaucoup de personnes peuvent également voir être stoppées dans leur vie de succès, en fait. Au lieu de... Ça veut dire un moment où quelqu'un qui commence à vivre le succès, puis tout d'un coup, il y a des persécutions, peut être découragé. S'il ne comprend pas que les persécutions sont là pour l'amener à une autre dimension de succès, la personne peut se décourager. C'est pour ça que certaines personnes, parfois, commencent à expérimenter des bonnes choses avec Dieu, et tout d'un coup, ils se découragent. Ben, ils sortent, finalement, de ce boulevard de succès. Quelque chose qu'on n'a pas dit, l'une des bénédictions de la persécution, c'est que la persécution nous rend humbles, en fait, en période de succès, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne plaît pas à tout le monde. Parce que, bon, l'orgueil, on a l'impression qu'on fait... Comment l'orgueil vient? L'orgueil vient quand on a l'impression qu'on fait l'unanimité. Et c'est vrai que quand on se rend compte qu'on ne fait pas l'unanimité, ça nous brise quand même quelque part, en fait. Ça nous permet toujours de relativiser. Quand les gens essayent de dire, non, c'est toi le number one, c'est toi le... Et que tu te rends compte que en fait... Non, il y a des personnes qui ne me considèrent pas comme telles. Et ces personnes-là vont commencer à nous persécuter pour nous dire non, en fait, tu ne fais pas l'unanimité. C'est ça. C'est vrai, c'est souvent difficile à entendre. C'est souvent même difficile à vivre. Mais lorsqu'on comprend
que c'est une persécution, Amen. On le vit avec joie. C'est ça. C'est Amen. Pour ça que même les disciples, la Bible va nous dire que lorsqu'on est frappé, à cause de l'évangile, ils étaient heureux. C'est ça. Amen. C'est ça. Effectivement, je pense que face aux persécutions, il faut vraiment avoir cette attitude-là, comme l'apôtre vient de le dire. Et la Bible va dire que l'humilité, la sagesse avec les humbles. Je pense que quand on a des persécutions, on doit toujours avoir ce cœur humble. Et toujours, l'une des façons de montrer qu'on est humble, c'est toujours garder sa communion avec Dieu. C'est je ça. Pense que c'est là c'est où on va garder également cette lucidité, bien discerner les choses et forcément bien réagir, bien manager, surmonter, transcender c'est les ça. Persécutions. Je pense que beaucoup de personnes, quand les persécutions arrivent, ils s'agitent un peu. Au lieu de garder une bonne attitude, être humble, je pense que quand on est humble, la sagesse va toujours fonctionner dans notre vie et on saura forcément sortir des persécutions. Amen. Bon, là, on a parlé des persécutions. On a pris un peu 5 minutes pour vous résumer. Pour ceux qui n'ont pas suivi la série, vous pouvez la revoir en replay sur notre site Évangile TV ou sur l'application Android ou Apple Évangile TV. Vous allez voir les replays de cette émission, de cette série d'émissions sur les persécutions. Nous allons parler maintenant des épreuves. On a vu que c'était important de distinguer les deux. C'est vrai. Les persécutions, c'est une chose. Les épreuves sont autre chose. Pasteur, la fois dernière, qui avait défini les épreuves? Moi, j'avais défini l'épreuve. L'épreuve, en fait, j'avais fait une approche de définition en disant que l'épreuve est un test que Dieu permet pour, comment dire ça, pour développer notre foi et surtout la fortifier. Amen. Je n'ai peut-être pas les coordonnées du passage biblique là, mais Pierre va dire que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or qui est éprouvé par le feu. Donc, Pierre est en train de nous dire ici que la foi éprouvée est quelque chose de plus riche, même que l'or. C'est-à-dire, avec une foi éprouvée, on peut finalement gagner beaucoup de choses. Donc, voilà un peu. Donc là, aujourd'hui, l'intérêt de ces 3 émissions que nous allons faire sur les épreuves, l'intérêt, c'est de démontrer aux téléspectateurs que tu as la foi, mais il faut que cette foi soit testée. Amen. Sinon, tu n'as pas vraiment la foi, c'est vrai. Parce que si on ne teste pas ta foi, on ne verra pas si elle est solide, si elle est grande, si elle est petite. On ne va pas discerner l'état même de ta foi. Tout à fait. Or, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. On va comprendre dans cette série que les épreuves, c'est ça qui va révéler, en fait, la vérité de l'état de notre foi. Amen, en fait. Amen. Vrai, effectivement, l'apôtre, tu nous as toujours donné cet enseignement sur les différents états de la foi. Tu nous parles de la petite foi qui peut être forte ou qui peut être faible. Oui. La grande foi qui peut être forte ou faible. Ou faible. Donc, on voit que ces états de foi-là ne vont pas avoir les mêmes résultats. Je pense que c'est ce que l'épreuve, c'est pour ça que Dieu permet l'épreuve pour solidifier notre foi. C'est clair qu'une foi qui est grande mais qui n'est pas forte ne va pas produire les mêmes résultats qu'une foi qui est grande et forte. Amen. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur le passage de Pierre qui va dire qu'une foi éprouvée, c'est-à-dire une foi éprouvée, c'est une foi qui va même plus édifier les autres. Amen. Parce qu'il va dire, j'ai vu ceci et Dieu a agi, je suis passé par là, Dieu m'a sorti de cette vallée-là, c'est possible avec des témoignages. Amen. Donc c'est vraiment une foi qui va édifier, qui va nous permettre à nous préparer à d'autres, à d'autres expériences, Amen. Mais également édifier, encourager d'autres personnes autour. Et la Bible aussi va dire qu'il faut que nous puissions nous édifier sur notre très sainte foi. Amen. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur aimerait que nous puissions construire sur la base de notre niveau le plus élevé de la foi. C'est ça. Ce qui veut dire que le niveau le plus élevé, si en fait il est faible, ça va être difficile. Déjà, ça veut dire qu'il faut connaître son niveau de foi. C'est ça. Si on n'a pas eu d'épreuves pour pouvoir tester ça, on ne peut pas connaître savoir, en fait, parce que notre niveau de foi dépend des épreuves qu'on a surmontées et vaincues. C'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. Et plus, et justement, et c'est là justement beaucoup de chrétiens prennent mal les choses parce qu'ils veulent ne plus jamais avoir d'épreuves. Parce qu'ils pensent que les épreuves sont là pour leur faire mal, pour les rendre la vie difficile. Alors que le Seigneur voit les choses différemment. Amen. Les épreuves sont là pour relever le niveau de notre foi, pour nous donner une meilleure qualité de vie. C'est ça. Parce que le juste vivra par la foi. Par la foi. Donc, si ta foi n'a pas été éprouvée, si elle n'a pas été testée, ton niveau de vie peut être amoindri, alors que le Seigneur aimerait que tu vives plus grand, de plus grandes choses. Avant de donner des exemples
concret de ce que les épreuves et les problèmes sont. Parce mm-hmm. que c'est ce qu'on a fait à l'émission, aux émissions consacrées aux persécutions, pour que les téléspectateurs identifient bien c'est quoi l'épreuve, c'est quoi les problèmes mm-hmm. dont on parle. Parce que souvent, ils mélangent les persécutions avec les problèmes. Mm-hmm. On veut juste vous faire comprendre ici que Dieu est en train de nous préparer à la vie future, en fait. Amen, mm-hmm. Et la vie future, ça va être une vie par la foi. Amen. La Bible dit trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Ne pensez pas que dans la vie future, ne pensez pas que pendant le millénium, on n'utilisera pas la foi. Non, ne pensez pas que lorsqu'il y aura la nouvelle terre et le nouveau ciel, on n'utilisera pas la foi, en fait. Ça. Le truc, c'est que pendant cette période-là, notre foi sera considérablement développée. Amen, amen, c'est amen, tout. Amen, on va fonctionner avec la foi de Dieu. Amen. On va dire que la pomme soit et la pomme est là. Amen, est-ce amen, que vous amen, comprenez yes. Je vais être aux États-Unis, on dit seulement États-Unis, on y est. Amen. Est-ce que vous amen. Suivez ça? C'est une foi qui est vraiment Comment? Développée. Amen, yes. C'est pas parce que à cette période-là, la foi sera vraiment développée, que ça veut dire qu'on ne fonctionnera pas par la foi. Non, on aura toujours besoin de la foi, on aura toujours besoin de l'espérance, parce qu'il faut qu'on se projette dans le futur. On aura toujours besoin de l'amour, parce que la foi fonctionne par l'amour, et l'atmosphère de cette période-là, ça va être l'amour, et il y aura la foi. Donc Dieu nous prépare à ça, en fait. Donc c'est pas la peine de dire non, les problèmes ne servent à rien, machin. Non, on est dans une école. Tout à fait. Vraiment dans une école, et je pense que c'est important de changer nos mentalités là-dessus, de comprendre en fait quel est le projet de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, et accepter et devenir suffisamment humble pour s'aligner à la pensée du Seigneur par rapport aux épreuves et surtout par rapport à la foi, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur aimerait que nous puissions vivre par la foi. Autrement dit, il veut que tout ce que nous avons autour de nous, nous puissions l'acquérir par la foi, et que nous ne puissions pas forcément compter sur notre patron au travail, que nous ne puissions pas forcément compter sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais que nous puissions compter sur Dieu, sur sa parole, basée sur la foi. En c'est fait. Ça. Et c'est vraiment un travail que nous devons faire. Et si nous comprenons vraiment les choses de cette façon, en réalité, quand on aura des épreuves, on va se réjouir. C'est ça. Parce que voici, maintenant, le Seigneur nous donne une opportunité de faire grandir notre foi, c'est ça. D'améliorer Amen. Notre c'est vie. Ça. En fait. C'est ça. Fait. Non, mais effectivement, quand on est... c'est toute une école, comme l'apôtre, tu l'as dit, c'est toute une école. Et on voit que l'amour, la foi et l'espérance, ce sont des trois principes qui nous c'est permettent ça. De créer. C'est ça. Et je pense qu'au travers des épreuves, on a l'opportunité de davantage manier, de masteriser, comme on le dit souvent, l'homme intérieur. Je pense qu'il y a l'esprit, il y a la dimension de l'âme, des émotions. Parce que, comme tu l'as dit, l'amour va toujours protéger la foi. C'est ça. Et quand on parle d'amour, c'est sûr, l'amour est comme son équivalent émotionnel au niveau de l'âme. C'est tout ça. Comme la foi. Je pense que Dieu veut nous permettre ces choses-là vraiment pour qu'on arrive à masteriser l'homme intérieur. Arriver à gérer les bonnes émotions. Je ne sais Amen. Pas, peut-être s'il faut déjà parler de... des exemples, des preuves. Par exemple, il y a une idée qui me vient là, de cette dame-là, son exemple a tué. Je comprends pourquoi Dieu met le nom de certaines personnes dans la Bible. Dans la Bible, amen. Pour l'honorer. Amen. Mais c'est un exemple qui est assez, c'est vrai que peut-être pour certaines dames, ça peut être délicat, mais Élisée va passer dans une ville, on l'appelle la Tsunamite. Élisée va souvent passer dans une ville, il y a une dame qui va voir un homme de Dieu qui n'a pas un cadre où prier. Élisée, avec la dame là, avec son mari, vont aménager un coin pour que l'homme de Dieu puisse prier. Et il va vraiment être touché par la femme, par le geste de la dame. La dame c'est ouais. comme ça qu'il va demander à la dame, qu'est-ce que tu veux? Effectivement, et puis bon, voilà, la dame va avoir un enfant. Ce qui est remarquable dans l'histoire, c'est que la dame va perdre l'enfant. Va perdre l'enfant. Mais on voit ça, c'est vraiment une épreuve. C'est, va c'est perdre l'enfant. Une double épreuve. Double déjà, épreuve. Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Et mais non, voilà. l'enfant arrive et l'enfant disparaît. Mais je pense que ça peut encourager certaines dames qui vont regarder cette émission-là. C'est surtout par rapport aux émotions. Parfois, les femmes vont souvent dire, bon, sauve ma mère, hein, sauve ma femme. Mais les femmes vont se dire, nous, on est des femmes, on peut avoir des émotions. Mais cette dame va être particulière. C'est-à-dire, l'enfant va mourir. Et l'homme de Dieu va revenir. L'homme de Dieu va demander, comment ça va? Elle va dire, tout va bien. Donc, on voit quand même une dame qui avait une foi particulière. C'est ça. Qui gérait bien ses émotions. Qui a masterisé ses émotions. On va dire à l'homme de Dieu, tout va bien. Vous imaginez, pour une dame, une maman qui va perdre son bébé, son enfant va dire, tout va bien à l'homme de Dieu. Donc, on voit bien comment, on voit comment l'histoire se termine. Comment elle va appeler l'onction du miraculeux dans sa vie. Amen. Donc, on voit quand même que l'épreuve
savait là. Mais cette dame-là, on peut vraiment dire qu'elle aimait Dieu. Amen. Elle avait une grande foi, mais elle masterisait également ses émotions par rapport à l'épreuve. Amen. C'est comme ça que l'enfant, effectivement, va revenir à la vie. Mais on peut dire que si elle avait peut-être une attitude, peut-être que l'homme de l'onction de l'homme de Dieu n'allait pas être activé. Comme quoi, parfois, on peut voir l'épreuve. Mais si on a la bonne attitude, notre foi peut prendre un bon et nous bénir et bénir finalement d'autres personnes. Amen, 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 amen. Finalement, d'autres personnes, ça me fait penser, c'est particulier, ça me fait penser à l'histoire justement de la veuve de Sarepta qui, justement, qui va accueillir Élie. Voilà, voilà. Dieu va dire à la veuve que... Dieu va dire à Élie, va à tel endroit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand elle va arriver... La veuve, dans un premier temps, on sait comme si elle discute. Ouais. Parce qu'elle va dire, mais ce qu'il me reste à manger, c'est très peu. On va le manger, ensuite on va mourir. Mais au bout d'un moment, il va changer quand même d'avis. Elle va prendre le risque de mourir. C'est ça. Elle prend le risque de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle compte... Elle vivait déjà une épreuve, elle avait perdu son mari. C'est ça. Il y a la famine. Et là, elle s'attend à la mort. Mais quand, malgré ses épreuves, elle arrive à avoir la bonne attitude qui déclenche le miracle. Qui déclenche le miracle. Ça veut dire, et là, elle va lui demander de ramener les vases, elle va verser l'huile. On connaît l'histoire. Et puis, elle va avoir beaucoup plus d'huile. Sûrement, elle va les vendre, elle va sortir de la situation de la famine, de la disette. Mais l'attitude qu'elle a eue, c'est ce qui a permis, en fait, non seulement de sortir de la situation, mais de devenir plus riche et de développer sa foi encore plus. C'est parce ça. Que désormais, dans la même situation, elle va encore avoir foi. C'est parce qu'une fois elle l'a fait, elle a vu les résultats. C'est ça. A pris le risque de mourir. Et elle a été bénie. Parce que là, en fait, l'épreuve, par exemple, de cette dame-là, c'est la crise économique. C'est la crise économique. Donc, quand on a des crises économiques ou quand on a une crise financière, ça peut être considéré comme une épreuve, comme un problème, en ce sens, que vous voyez. Et quand en écoutant le pasteur Darius, mais je vois finalement qu'en fait, pour passer à une foi d'une autre dimension, en fait, la foi qu'on a là, en fait, est suffisante pour passer l'épreuve, en toujours, fait. Toujours. C'est-à-dire, en principe, ça, quand Dieu permet l'épreuve, on doit être à même de passer ce test-là avec la foi qu'on a. Toujours. Et c'est ce qui nous amène à une foi supérieure. Ça veut dire qu'en fait, quand l'épreuve arrive et qu'on n'arrive pas à passer ce test-là, en fait, notre foi ne va pas grandir. On va leur parler de ça à la prochaine émission. On va leur montrer ça. Parce que, en fait, c'est important qu'ils comprennent que quel que soit le problème, qu'il soit petit ou grand, le but de ce problème-là, c'est l'épreuve de notre foi. Amen. C'est l'épreuve de notre foi. Quel que soit aussi le genre de problème que nous rencontrons, parce qu'il y a la taille du problème, il y a le genre du problème. En fait, le but, c'est l'épreuve de notre foi. Et parce que tu as dit, si Dieu permet que ça arrive, c'est parce que nous avons la taille de foi suffisante, nous avons la foi suffisante pour pouvoir vaincre ce problème-là, en fait. Après, maintenant, c'est une affaire de force de la foi. On a la taille suffisante pour vaincre n'importe quel problème. Et certains échouent parce que leur foi n'a pas la force suffisante. Mais pas la taille suffisante. Parce que Dieu ne va jamais permettre qu'on rencontre un problème que la taille de notre foi ne peut pas vaincre. La question se trouve au niveau de la force de notre foi. Et l'apôtre, je pense même que parfois, certaines personnes, quand l'épreuve arrive, c'est pour ça qu'on insiste depuis les émissions précédentes, sur l'attitude. C'est ça. Ça, Pierre va dire, ajoutez à votre foi, par exemple, la vertu. Parce que la bonne attitude va fortifier la foi. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas assez de foi pour vaincre les problèmes qui viennent. Non, c'est un mensonge diabolique. La Bible dit, avec l'épreuve, Dieu donne toujours le moyen de s'en sortir. Ça veut dire que, quelle que soit la taille de ta foi, au moment où le problème vient, elle est suffisamment grande pour vaincre le problème. Le problème, c'est la force de la foi. Ton attitude va fortifier la foi ou affaiblir la foi. Tu nous avais enseigné comment connaître notre niveau de foi. Et en nous disant, par exemple, à ce moment-là, on parlait par exemple des finances, on regardait combien on touche, ça révèle notre niveau de foi. Mais je pense aussi que l'épreuve... Combien entre dans notre... Les épreuves qui viennent révèlent notre niveau de foi, ce que nous sommes capables de porter. Maintenant, ta capacité, comme tu dis, à porter ou pas dépend de la force de ta foi. La force de ta foi va dépendre de l'attitude que tu vas avoir et de la façon dont tu t'édifies. Mais c'est là où les chrétiens, vraiment, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand ils voient le problème, dès l'instant où tu dis,
le problème est trop grand, je ne peux pas le vaincre. Ah, c'est une mauvaise c'est attitude. Fini. Tu affaiblis ta foi, en fait. Tu affaiblis. Mais si tu vas dans une attitude où tu te dis, waouh, quel grand problème. Alors, ça veut dire que j'ai la foi pour pouvoir vaincre ce problème-là. Amen. Voilà. Donc, en fait, quand tu vois le problème, tu dis, donc ma foi est à ce niveau. Donc, ma foi est à ce niveau. Alléluia. Donc, ma foi est à ce niveau. À partir de ce moment-là, tu affrontes le problème avec une attitude différente. Et tu es surpris de voir comment le problème disparaît. C'est important que le chrétien comprenne, en fait, que le problème, parfois, ce n'est pas la taille de la foi. Parfois, ce n'est pas là le problème. C'est vrai que notre foi doit grandir. Amen, amen. Mais on ne peut pas aller plus vite que le temps. Est-ce que vous comprenez? Or, il y a des épreuves qui viennent, qui veulent nous faire croire que ces épreuves sont au-dessus de la quantité de foi que nous avons. Nous sommes en train de vous dire que non. Quand vous voyez le problème, même s'il a l'air grand, il a la taille suffisante pour que ta foi puisse vaincre. Amen, il faut amen. Juste que tu saches comment fortifier ta foi pour pouvoir vaincre ce problème-là. Amen, amen. C'est tout, en fait. Et c'est là on voit quand même, finalement, que c'est vrai que dans les émissions précédentes, on a beaucoup insisté sur la sagesse par rapport aux persécutions. Oui, oui. Donc, on voit quand même, finalement, la sagesse, l'intelligence vont être des, comme on les appelle, les ingrédients qui vont nous permettre, qui vont aider à notre foi d'opérer finalement. C'est ça. Donc vraiment, l'attitude est importante quand il y a des épreuves. Ouais. Ça nous permet de voir la porte de sortie, comment transcender la situation finalement. C'est ça le but des persécutions. Parce que les persécutions, on l'a dit dans les émissions précédentes, que les persécutions développent une sagesse, une intelligence et une sophronisme dans notre âme, un autocontrôle en fait. Contrôle, le ça. But c'est quoi? C'est que quand les épreuves viennent, on a la bonne attitude. Celui qui sait garder la bonne attitude en face des persécutions aura la bonne attitude en face des épreuves. Amen. Amen. Si les épreuves ont pour but de nous amener les problèmes, alors on comprend, voilà. Est-ce que vous comprenez? Si les persécutions ont pour but de nous amener les problèmes et les épreuves, alors on comprend que la bonne attitude dans les persécutions va forcément nous donner la sagesse pour pouvoir correctement gérer et nous comporter dans les épreuves. En fait. Je pense que c'est vraiment important de le comprendre. Et même quand on lit la parole de Dieu avec ce type de connaissances, on se rendra compte que tous les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont été reconnus comme des hommes de foi, avaient la même attitude. C'est ça. Là, je pense par exemple à David. Ouais. David qui va se retrouver devant Goliath. Ouais. C'est un enfant en face d'un géant. Amen. Il a... Mathématiquement parlant, elle n'a aucune chance. Elle n'avait aucune chance. Aucune chance. Mm-hmm. Mais lui, il n'avait même pas une expérience de guerre. Jamais. Il n'avait même pas d'expérience. On lui donne des outils de guerre. Il ne sait même pas les porter. Il ne sait même pas les porter. Lui, il dit non, je vais prendre un bâton et des cailloux. Le rapport. Un bâton et des cailloux, quoi. Il se dit non, je vais réussir avec ça. Pourquoi? Parce que sa foi était sur je connais l'attitude à avoir pour vaincre les problèmes. Il suffit que je commence à déclarer, que je commence à parler, et ensuite les choses se descendent toujours. Et il a eu la bonne attitude. Et la Bible va dire une chose qui est très remarquable. La Bible va dire en fait que Goliath, au bout d'un moment, il va s'avancer vers lui. La Bible va dire qu'il va faire un pas. Et la Bible spécifie bien que David a couru, lui, vers Goliath. Normalement, il est censé avoir peur et reculer. Mais le voilà en train de courir pour foncer vers le problème en question, pour le vaincre, en se disant, je vais forcément le vaincre. Mais à cause de cette attitude, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Exactement. Il a vaincu. Des choses qui fait également que les gens affaiblissent leur foi, effectivement, parce que, comme tu l'as dit, ils sont focalisés sur l'épreuve au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'on voit par exemple l'exemple de David. Il va avoir une attitude méditative où il va dire qu'en fait, j'ai vaincu l'ours, j'ai également vaincu le lion. Je pense que ces expériences-là qu'il a vécues avec Dieu vont le fortifier à l'intérieur, vont même l'aider à activer sa foi, l'onction, pour pouvoir... Il y avait de quoi le déstabiliser. Il ne s'est pas laissé déstabiliser. Il y avait même les arguments. Arguments, moi je pouvais lui dire, viens, il me dit, moi j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu le lion. Je vais lui dire, non, là c'est un homme, il sait manier les outils en fait. Tu as dit bien que ça s'appelle l'ours, non? Tu as bien dit que ça s'appelle le lion, non? Lui, il s'appelle Goliath et Gère. C'est pas pareil, mon petit. Tu vois? C'est pas pareil. En plus, lui, c'est un être qui est plus intelligent que l'ours. Il y avait les arguments, mais il s'est pas laissé déstabiliser par ces arguments. Goliath aurait pu lui-même tuer l'ours et le lion. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Ce que tu as fait, Goliath, pouvait aussi le faire. Voilà. Donc, et en plus de ça, il y avait la foule. Il y a tout le monde qui le regarde. Wow. Et on a, même ses frères ont essayé déjà de le déstabiliser en disant, mais tu es orgueilleux, tu fais quoi ici, etc.
il n'avait jamais fait ça de sa vie. Mais comme il avait l'attitude de quelqu'un qui sait affronter les épreuves, même s'il n'a jamais vécu une telle situation, il sait l'attitude à avoir. Parce qu'il va dire, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Comme tu disais, Pasteur Isaac, je pense que c'est important de comprendre avec quelle puissance nous affrontons les problèmes. Sur quoi est basée notre foi? Qu'est-ce qui donne la force à ta déclaration? Qu'est-ce qui donne la force à ton espérance? Et très souvent, comme tu disais, apôtre, le foi n'est pas fortifié. C'est ça. Du coup, quand l'épreuve arrive, il n'a pas suffisamment déclaré cette parole qu'il prouve qu'il peut vaincre le problème. C'est ça. Et du coup, il passe à côté. Et d'ailleurs, comme tu disais, il ne se rend pas compte que cette épreuve vient parce que Dieu considère qu'il peut vaincre. C'est ça. C'est il pense que c'est le diable qui l'attaque. Il pense que c'est le diable qui que l'attaque. Que Dieu l'a abandonné. Que Dieu l'a abandonné. Comme il a tout ça, c'est que Dieu l'a abandonné, machin. Oui. Ce sont des conclusions qui affaiblissent votre âme, qui affaiblissent votre foi. Et de toutes les façons, hein, Dieu ne dira jamais au ciel, arrêtons un peu de lui envoyer, de permettre que les problèmes viennent, parce que là, c'est trop pour lui. Ce n'est pas le raisonnement du ciel. Ce n'est pas le... Il va les multiplier. Parce que non, mais c'est important ce que tu dis, apôtre, parce que je me suis rendu compte que Dieu me disait, en fait, je t'aime plus que toi-même. Le ciel dit, oh, il va s'en sortir. Quand tu dis, Seigneur, aide-moi. Dis non, tu peux. Et c'est vrai que sans vouloir t'occuper, Pasteur Isaac, je me suis rendu compte que Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Et son but, c'est que notre foi grandisse. Amen. C'est que notre foi soit élevée parce qu'il prévoit un monde dans le futur où on vit par la foi. C'est vrai. Donc, il ne permettra pas que tes émotions t'empêchent de vivre la gloire qu'il a préparée pour toi. Amen. Alors, il va tout faire pour que les épreuves se multiplient. Amen. Pour que coûte, tu travailles ta foi. Amen, amen. Parce que sinon, si tu ne travailles pas ta foi et qu'il t'aide tout le temps, il va se contredire. C'est que tu es injuste qui ne vit pas par la foi. C'est ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, après, on leur parlera. On leur parlera peut-être dans la troisième émission. Parce qu'ils ont l'impression là que la vie chrétienne, c'est la bagarre tout le temps. Que, oh là là, je ne vais pas me reposer. Non, on va vous expliquer qu'il y a des dimensions dans la foi. Il y a les dimensions de la foi, de la foi active. Il y a la dimension de la foi spéciale. Il y a la dimension de l'esprit de foi. En fait, vous allez évoluer. À force de le faire, vous allez arriver à un niveau où, quand le problème veut se présenter, dès qu'il vous voit, il se pulvérise, en fait. En fait, vous êtes juste au courant que vous aurez pu avoir ce problème. Vous êtes juste au courant. En fait, tu apprends juste, on aurait pu avoir ce problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu la solution qui est venue. À cause de l'esprit de foi, en fait. Et Dieu veut nous amener à cette dimension-là. Si on ne la développe pas, on ne va pas arriver là, en fait. Ça me rappelle, c'est vrai, c'est un homme de Dieu, je pense que tu connais bien, je ne veux pas citer son nom sur le plateau, qui disait, on lui a dit, vous n'avez jamais eu de problème? Il dit peut-être, mais je ne savais pas que c'était vous. Rabakasha. Tellement dans le repos. Tellement concentré sur Dieu, sur ces choses. Quoi. Ça, c'est quand tu as eu la bonne attitude pendant la foi. Ta foi a grandi. Et quand ta foi a grandi, vous savez, quand vous étirez votre foi à un certain niveau, en fait, Dieu va commencer à manifester le don de foi spéciale. Et c'est ça qu'on disait de Smith Wigglesworth, en fait. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort et de l'esprit de mort. On lui dit, ton voisin est mort. Pendant que tout le monde pense que c'est impossible, qu'on ne peut plus rien faire pour son voisin, lui, il pense encore que c'est possible. Vous voyez un peu? Et il racontait, il disait que non, lui, il utilise sa foi à un certain niveau. Après, le Saint-Esprit manifeste le don de foi spécial. Et après, à un moment donné, tu vis dans une atmosphère où il y a un esprit de foi et tu vis dans le repos. Amen, et tu peux parler comme cet homme de Dieu-là. Ah, c'était un problème. Je ne savais pas que c'était un problème. Mais c'est vrai, comme tu dis, apôtre, après, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient une mentalité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un problème, au début, bien sûr, tu sais que tu dois avoir l'attitude et tu résous le problème. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est que ça devient la vie normale. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la réflexion. C'est ça. L'image que j'ai, c'est... À un moment donné, on a dû apprendre à marcher. Mais aujourd'hui, on ne réfléchit plus pour marcher. C'est ça. C'est automatique, on se lève, on marche. C'est exactement ça. Pourtant, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on doit faire attention à l'équilibre. On doit faire attention, réussir à équilibrer tout ça par rapport à la gravité, etc. C'est ça. Mais sauf qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à le faire. C'est ça. Quand on a appris à le faire, c'est tellement automatique qu'on peut se lever et marcher même les yeux fermés. C'est ça. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur veut nous amener. Amen. Où tout ce qu'on veut arrive juste parce que nous l'avons pensé. Amen. Comme tu disais, apôtre, on pense à être aux États-Unis.
retourner aux États-Unis. C'est ça, c'est ça. Sans pour autant dire non, je déclare au nom de Jésus. Non, je déclare. C'est juste une pensée. La pensée se matérialise. Et il faut vraiment vivre par la foi. Je pense qu'on doit vivre par la foi comme c'est quelque chose de tout naturel. En fait, c'est pour ça que Dieu veut que ça soit notre style de vie. Amen. On est sur la terre, c'est sûr, à toutes les épreuves. Mais. En fait, on ne doit pas se concentrer sur les épreuves, se concentrer sur notre foi, sur l'édification de notre foi. Je pense que c'est ça, c'est comme, je ne sais pas, un être humain, il marche. À cette émission, on est censé montrer aux gens c'est quoi les épreuves, c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il y a certaines personnes qui vont naître dans certains territoires qui c'est sont vrai. Plus difficiles que d'autres, en fait. Vous suivez? Dieu ne va jamais permettre que tu naisses à un endroit et il ne t'a pas donné le potentiel de t'en sortir. Alléluia. Tu peux naître dans une famille pauvre, en fait. Une famille pauvre, c'est une famille qui a des problèmes. Mm-hmm. Et si tu nais dans une famille pauvre, en fait, tu nais dans les problèmes. Oui. Parce que... en fait, le début de ta vie, c'est déjà les problèmes. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est important de comprendre pourquoi Dieu permet que tu naisses déjà là. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi je suis né dans une famille comme ça? Ça, c'est un problème. Mais Dieu met en toi le potentiel de sortir de là. Il y en a qui vont naître avec certaines maladies héréditaires ou machin. Moi, je pense sincèrement que Dieu donne le potentiel non seulement à celui qui naît, mais aussi aux parents qui ont cet enfant-là, de pouvoir sortir cet enfant de là, en fait. Parce que la parole de Dieu, quand elle parle de guérison, elle ne fait pas exception de personne. Amen. Hein. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Maladies héréditaires, maladies liées au chromosome, maladies à machin. Donc, on vient sur la terre, mais la provision de la guérison a déjà été donnée depuis fort longtemps à la croix de Golgotha. Amen, amen, amen. Donc ça, c'est le genre de problème auquel les gens vont peut-être faire face. Oui. Il y a d'autres aussi qui vont être dans un pays où le taux de chômage est très élevé. Okay? Le taux de chômage est très élevé. Il ne faut pas prétexter la naissance dans ce pays pour penser que vous ne pouvez pas vaincre ce chômage-là, en fait. Ce que vous voyez. Ouais, c'est comme des élèves qui vont être dans une salle de classe qui vont dire que ce prof ne m'aime pas. Voilà. Ils vont prétexter ça pour dire que c'est pour ça que j'échoue. C'est ça. Pour ça que je n'ai pas de bonnes notes. Alors que justement, on est en train de... Quand on est dans une attitude de foi, on comprend comment l'attitude à avoir. On c'est se ça. Dit justement, si c'est là, c'est parce que je peux faire beaucoup mieux. Exactement. Et la Bible va dire une chose qui va un peu dans le même sens. Il va dire que tes progrès soient visibles aux yeux de tous. Tous. Et il y a beaucoup qui se disent, mais j'ai fait beaucoup d'efforts, mais les gens ne voient pas. C'est que tu n'en as pas fait assez, en fait. C'est ça, c'est et ça. Des fois, nous devons faire jusqu'à ce que nous puissions être visibles. C'est ça. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur va étirer notre foi. Donc, je pense que c'est important de comprendre que les différents problèmes et les épreuves qu'on peut avoir, que ça peut être à l'école, comme on vient de dire, ça peut être un parent, par exemple, qui est alcoolique, ou bien qui nous tape souvent. Voilà, c'est qu'on a forcément le moyen de sortir de là. C'est ça. Et tu dis souvent, apôtre, que nous ne sommes peut-être pas responsables de là où nous sommes, de là où nous sommes nés, mais nous sommes responsables de là où on va. Donc, ton lendemain t'appartient. C'est ça. Mais parce qu'en fait, pasteur, tu sais que même ton physique peut générer un type d'épreuve et de problème particulier. Tout à fait. Non, je te dis, sérieusement, tu peux avoir des épreuves et des défis juste parce que tu es noir. Avoir des épreuves et des défis juste parce que, voilà, ta tête, les gens, voilà, certains endroits, ils n'aiment pas, en fait. Mais tu n'as pas le droit devant Dieu de prétexter ça. Pour dire que les problèmes qui sont en face de toi, tu ne peux pas les vaincre. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas être agent immobilier parce que je suis noir. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas réussir dans ce pays parce que je suis noir. Tu n'as pas le droit de dire ça, Non, parce que Dieu a mis en toi le potentiel et la foi nécessaire pour aller au-delà de ça, en fait. En fait, j'ai remarqué même que Dieu ne se donne pas d'excuses. C'est ça. La Bible va dire, tel il est, tel nous sommes. C'est ça. Et si nous sommes des rois, si nous sommes là pour régner, nous ne devons pas prétexter quoi que ce soit. On ne doit pas avoir d'excuses. On doit juste... Et c'est une mentalité de ceux qui se disent que l'impossible n'existe pas. Ceux qui pensent que l'impossible existe, ce sont ceux qui se trouvent des excuses. Je n'ai pas pu parce que ce n'est pas possible à cause de ceci. Je suis noir ou bien peut-être que, je ne sais pas, il me manque un bras ou je ne sais pas. Ils vont prétexter des choses. Mais aussi déplorable que peut être ta situation, en fait, peut-être que tu vas être cette personne qui sera une merveille, un phénomène. Amen. Qui va faire ce que jamais personne n'a Amen. Fait. Et on peut voir même aujourd'hui autour de nous des gens qui
En temps normal, on serait dit, comment lui, il a fait pour réussir? Mais pourtant, ils réussissent. Pourquoi la mentalité? Et ça, on ne doit vraiment pas prétexter. Je pense que quand on se met sur ce terrain-là, on est plus dans la foi. C'est on ça, est vraiment dans le terrain ça. De l'humanité c'est ou de ça. La chair. Et c'est là où on limite vraiment le potentiel. Si ça nous dit que le juste vivra par la foi, c'est parce que quand on active notre foi, mais on transcende, mais on pulvérise les barrières. Et on voit bien, par exemple, tu parlais de la peau, ainsi de suite, d'autres traits physiques, ainsi de suite, mais on voit partout, même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui réussissent parce qu'ils ont une vision claire. Il y a une dame qui fait le talk show, par exemple, aux États-Unis, qui a même permis à un monsieur à qui les maisons d'édition ne voulaient pas éditer le livre. Il ne voulait pas du tout éditer son livre, jusqu'à ce que cette dame-là, qui a une peau noire, le monsieur a une peau, on va dire. Il prend le livre est finalement édité. La dame l'invite dans son émission qui était assez pauvre. C'est comme ça que ce livre-là est devenu un vrai tapage planétaire. Amen. Mais une dame qui a une peau noire, mais qui croyait en son potentiel. Donc, je pense que quand on croit, quand on a une vision, ça brûle au-dedans de nous. Et on va au finir par réussir. On a une mentalité, parce que quand on parle de notre physique qui va amener un type de problème, c'est une réalité que nos téléspectateurs vivent, en fait. Parce que nous tous, nous savons comment est-ce que les gens peuvent nous juger, nous mettre à côté, nous refuser un travail à cause de notre physique ou peut-être même à cause des limitations avec lesquelles nous sommes nés. Par exemple, vous allez dire, non, je ne peux pas avoir ce boulot-là parce que j'ai bégayé. Je ne peux pas avoir ce boulot-là parce que j'ai ceci, cela. Vous vous mettez déjà une limitation qui va vous empêcher de vaincre ce problème-là. Alors que si vous avez une certaine façon de penser, vous avez une certaine mentalité, vous allez libérer la foi nécessaire pour pouvoir vaincre ce problème-là. Yes. Et les gens commenceront à faire des exceptions à cause de votre cas. Et ça finira par devenir la règle, en fait. Avant, c'était très difficile pour un noir ici en France de percer dans le foot. Il y avait très peu de noirs. Il y avait juste les Tigana, les Marius Trésor. Il n'y avait pas beaucoup de noirs qui perçaient dans le foot. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a davantage de noirs. Par exemple, dans l'équipe de France, est-ce que vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas se limiter. Peu importe comment tu es né, je te dis, ce que tu veux, tu peux l'obtenir. C'est sûr et certain. Et un autre témoignage, peut-être, pour que ça ne nous envoie pas. Il y a un autre monsieur, ce qui est remarquable, c'est sûr qu'on parle aux chrétiens, même d'autres personnes qui nous écoutent. Il y a un témoignage d'un monsieur, il ne faut vraiment pas que les gens se limitent. On peut se dire, je suis né dans une famille peut-être pauvre, ceci, cela, ça en est fini de ma vie. Mais on doit avoir une bonne attitude. On doit peut-être plus saisir ça comme une source de motivation, chercher des solutions. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il y a une illumination. Et ce monsieur-là, vraiment, il est aujourd'hui en train de coacher, mais vraiment des chefs d'entreprise dans le GAFA aux États-Unis. Incroyable. Mais il dit, quand il était petit, il a fait un accident. La tête, en fait, est tombée sur un radiateur ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, il a eu vraiment des dommages au niveau de sa tête. Ça l'a empêché de bien écrire, de bien lire. Toutes ces choses, il n'allait quasiment pas à l'école. Mais il a commencé à suivre les dessins même des super-héros. Parce qu'ils avaient plus ou moins une histoire similaire à son histoire. C'est comme ça qu'il a commencé à regarder ces personnes-là. Et quelque chose est vraiment né au-dedans de lui. Il y a eu vraiment des miracles. Il coche même comment garder son cerveau en forme, ainsi de suite. Vous voyez qu'avec Dieu, c'est possible. Mais il y a ceux qui n'ont pas Dieu. Ils se font une vision, un objectif. Je veux y arriver. L'apôtre, d'ailleurs, tu nous le dis dans le livre. C'est surtout quand tu avais fait le séminaire sur le livre « Comment avoir sa guérison et la garder ». Tu avais dit quelque chose d'assez remarquable. Je pense que tu t'étais appuyé sur un verset biblique dans Proverbe. Quand dit « L'esprit de l'homme le soutient dans les problèmes. » Mais un esprit abattu qui le soutiendra, mais là, on est fini de la personne. Et tu nous as dit qu'en fait, il y a une énergie qui est dans l'esprit de l'homme. Amen. Je pense que Dieu a mis de manière générale à l'homme quelque chose dans son esprit. Dans son esprit. Qui peut lui sortir. C'est ça. Ce monsieur-là, il coache, mais je crois qu'il est devenu riche. Il coache des grands chefs d'entreprise dans le monde. Mais il a eu un accident, mais incroyable. Et ça me rappelle, justement, j'ai rencontré un monsieur dans un travail comme ça. Et il parlait, mais on sentait comme s'il bégayait un peu. Et il me parlait un peu de son histoire. Il m'explique qu'il avait fait un accident. Il avait fait un accident. Et puis, après cet accident, il a même eu un cancer. Un cancer comme généralisé. Et il dit,
pour m'en sortir, j'ai commencé à dire à mon corps de faire sortir le cancer. Il s'est parlé lui-même. Et quand justement tu avais prêché là-dessus, le fait que l'esprit de l'homme, comme s'il y a une énergie qui peut sortir. De l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il y a une énergie curative. Et du coup, cette personne s'est parlé lui-même. Il a été guéri du cancer. Et les dommages de son accident étaient complètement estompés. Il m'expliquait qu'on a une énergie au-dedans de nous. Cette personne ne croit pas en Dieu. Ah, vraiment? Elle explique qu'elle a elle sait qu'il y a une énergie au-dedans de lui. Et elle a, cette personne a parlé à son corps, a demandé au cancer de sortir. Le cancer est sorti. Elle était complètement guérie. Mais tu vois, pasteur, il y a des principes comme ça que les païens ont découvert. C'est ce qui est terrible. C'est-à-dire les païens ont découvert ça. Ils ont écrit des livres alors que ces choses sont contenues dans la parole de Dieu. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous savez, Adam et Ève, après le péché, ne sont pas moins à l'image de Dieu qu'avant le péché. Est-ce que je ne sais pas ce que ça? Nous pensons qu'ils sont moins à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a mises dans l'esprit de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça en improvisant. Est-ce que vous suivez? Dieu a créé l'homme, il a mis l'esprit dedans et il va dire l'esprit va donner la vie au corps. Et s'il arrive qu'il puisse pécher et que la maladie rentre, dans l'esprit, il y a une énergie curative parce que c'est l'esprit qui donne la vie au corps. Et il y a cette énergie-là suffisante pour pouvoir vaincre les problèmes dans la vie de tous les jours. Et si les païens arrivent à le faire, à combien plus forte raison nous, les chrétiens? J'ai même remarqué je pense que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est chrétien. Dieu est chrétien et donc... ils ont pas compris que notre Dieu, c'est un Dieu de l'humanité. C'est pour l'humanité. Il n'a pas dit « je sauverai les chrétiens ». La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, tous les êtres humains. Et comme tu dis, apôtre, tu nous as créé à son image, à sa ressemblance. Même le païen est créé à l'image de Dieu. C'est ça. Et du coup, il a la même force, la même énergie. Et même les principes dont on parle de la foi, etc., c'est des choses que les païens vont mettre en pratique. Ils vont vivre des choses. Et je pense qu'il faut qu'on arrête, qu'on sorte de ce truc où on pense que Dieu fonctionne, c'est des choses qui fonctionnent qu'avec les chrétiens. Voilà. Alors que Dieu n'a jamais parlé de chrétiens, de christianisme. Ce sont les païens qui ont appelé les enfants, les disciples, chrétiens. Alors que ça vient pas de Dieu. Et beaucoup pensent que Dieu est d'abord pour les chrétiens. Alors que c'est pas comme ça. Il est pour l'humanité. C'est ça. Maintenant, la différence avec ceux qui acceptent Jésus, c'est que leur esprit est recréé. Et voilà. Et ils ne sont pas à la merci du diable. C'est juste ça. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais il y a des principes que les fils de ce monde appliquent qui vont amener le succès. Ça fonctionne. Et depuis qu'on parle de ça dans cette émission, j'espère vraiment que vous arrivez à comprendre en fait que ces principes-là fonctionnent. Et donc, nous les enfants de Dieu qui sommes censés avoir la lumière, qui sommes censés avoir l'esprit de Dieu, on doit être au-dessus. Est-ce que vous arrivez à comprendre, même si je le dis au risque qu'on puisse me lapider des pierres, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'en fait, l'homme le plus riche de la terre devrait être un chrétien? Amen. Parce que normalement, il a bien plus. Bien sûr, on a plus. Vous comprenez qu'un esprit recréé, il a bien plus, est-ce que vous comprenez? Il a plus. Donc, c'est important, ça. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que nous, chrétiens, nous avons l'avantage par rapport aux autres. C'est-à-dire que non seulement nous avons les vérités qui nous sont révélées, mais nous avons également, nous connaissons les véritables mécanismes pour les activer. Parce qu'en général, quand on regarde les non-croyants ou les fils de ce monde, en général, ils vont découvrir des choses, ils vont essayer de les pratiquer comme ils peuvent. Et comme ce que je veux te dire, apôtre, c'est que si nous avons la vérité, nous avons la lumière, en fait, même l'homme le plus riche du monde, c'est le niveau zéro par rapport à celui qui a toutes les clés, c'est-à-dire l'enfant de Dieu. Et je pense que nous devons nous voir différemment et commencer à accepter les épreuves et les accepter comme des choses qui élèvent notre niveau de foi et qui nous fait vivre une meilleure vie, au lieu de les repousser. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu dans le but d'esquiver les problèmes, d'esquiver les épreuves. Ils se disent, avec Dieu, j'aurai plus de problèmes. Avec Dieu, j'aurai plus d'épreuves. Alors qu'il y a des païens qui se disent, les épreuves vont m'aider à grandir. C'est ça. Et c'est là où souvent on pêche. En fait, ce qu'on aimerait vous dire, avant que Pasteur Isaacine prenne la parole, ce qu'on aimerait vous dire, c'est quoi? C'est qu'il existe même beaucoup de livres que des païens ont écrits sur
les épreuves, les problèmes et comment les affronter. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez. Et comment les affronter? Les affronter avec la bonne attitude. Si les païens peuvent enseigner sur la bonne attitude en face des épreuves. À combien plus forte raison les chrétiens qui ont la parole de Dieu, en fait. On a largement plus. C'est sûr qu'on voit que les païens vont, vont nous parler des principes, l'autosuggestion, confesser la parole de Dieu à soi-même. Mais leur parole, c'est sûr, elle est puissante. Mais n'oublions pas quand même, la parole de Dieu est toute puissante. Donc, on a largement plus quand même. On a un esprit recréé, comme l'apôtre vient de dire. On a le Saint-Esprit qui réside en nous. On a l'onction. Et on a la parole de Dieu. C'est-à-dire, même quand on se retrouve face, ou même peut-être devant les mêmes situations que les païens, qu'on se mette à parler, ils vont peut-être libérer des paroles qui sortent de leur fond. Mais nous, on a quand même la parole de Dieu qui est toute puissante. La parole de Dieu est au-dessus. On a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on est au-dessus du diable, on n'appartient pas au diable, on n'est pas à la merci du diable. Donc, même si les païens connaissent ces principes-là et ils appliquent, le jour où Satan va décider de les tuer, s'ils n'ont pas Jésus, ça va être compliqué. Si la miséricorde de Dieu n'intervient pas, ils vont mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils ont ces ressources-là. Vous devez prendre conscience que Dieu a créé l'être humain avec ces ressources-là. Vous comprenez? Mais quand vous acceptez Jésus dans votre vie, Dieu vous met encore au-dessus. Vous faites partie d'une autre classe maintenant. Vous faites partie d'une autre race. Donc, si vous êtes chrétien, vous nous regardez, n'ayez pas une mentalité de pigeon. Est-ce que vous comprenez? Ayez une mentalité d'aigle. Est-ce que vous comprenez? Pensez, quand vous voyez les problèmes, ne dites pas, oh là là, ce problème va m'écraser. Oh là là, je ne vais pas pouvoir le vaincre. Oh là là, si seulement j'étais noir. Oh, si seulement j'étais métisse. Si seulement j'étais blanc. Oh, si seulement j'étais beau. Si seulement j'étais ceci, cela. Ce n'est pas ça qui va te limiter. La peau de ceux qui parlent de l'aigle, on dit souvent que les aiglons, ce qui fait en sorte que les aiglons prennent l'envol, c'est quand ils sont dans leur nid et que le nid commence à être petit. En fait, c'est quand le nid les serre qu'ils prennent l'envol. Pour dire qu'en fait, il faut vraiment avoir cette mentalité de l'aigle ou de l'aiglon, c'est-à-dire face au problème, je dois plutôt voir une solution. C'est pour ça que quand les Japonais ou beaucoup d'Asiatiques, dans leur langage, il n'y a pas de problème, en fait. Eux, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, quand il y a l'épreuve, eux, ils voient l'opportunité soit de découvrir quelque chose. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent voir les choses. Parce qu'on est avec Dieu, nous faisons la majorité. Dieu est de notre côté. Il dit que nous sommes avantagés. Nous ne sommes pas désavantagés. Nous sommes bien-aimés. Donc, quand il y a une situation, on doit se dire, il y a forcément une situation parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis avantagé. Quand on a cette attitude-là, c'est là où les révélations sortent même. On apprend des choses. Et forcément, on passe à une autre dimension. Amen. Gloire à Dieu. Le temps est passé. Le temps est passé. Restez vraiment connectés sur Évangile TV parce que cette série a une suite. À la prochaine émission, nous vous dirons concrètement comment vaincre les problèmes spécifiques de votre vie. Les deux prochaines émissions, nous allons prendre des cas bien précis et nous allons vous montrer comment le faire avec votre foi. On va bien sûr vous exhorter aussi sur la foi et on va vous expliquer comment fortifier votre foi. Et vous allez voir, vous allez vraiment être bénis. Donc, restez connectés sur Évangile TV. Et si cette émission vous a béni, je vous invite à soutenir cette chaîne de télé en devenant partenaire. C'est très simple. Vous allez sur notre site internet, évangile.tv, et vous faites un don à travers le site. Sinon, vous nous écrivez sur WhatsApp au +33 6 36 91 21 74. Vous nous envoyez un message et nous vous dirons comment faire. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. L'émission s'appelle Pendule à l'heure, je vous dis à la prochaine émission.